In our study yesterday, dans notre étude d'hier, we're in Daniel chapter 8, nous étions dans Daniel chapitre 8, verses 13 and 14. Versets 13 et verset 14. Read verse 13. Nous allons lire le verset 13. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? And the answer to verse 13 is verse 14. Donc la réponse au verset 13 et le verset 14. 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Or we could say restored. On peut dire restauré. So we addressed this issue yesterday. Donc nous avons parlé de ce sujet donc hier. And I've put this history on in a graphical format. Et j'ai mis donc cette histoire sous une forme graphique. Here's Daniel chapter 8 verse 14. Ici nous voyons Daniel 8 verset 14. It says the cleansing of the sanctuary. La purification du sanctuaire. But it's only half of the answer. Mais c'est seulement la moitié de la réponse. Because the rest of the question isn't addressed. Parce que le reste de la question n'est pas répondu. Now we spoke yesterday about the daily and the transgression of desolation. Nous avons parlé hier du perpétuel et de la transgression de la désolation. And you'll remember that the daily is the four pagan nations that precede the papacy. Et le paganisme, c'est les quatre nations donc qui ont précédé la papauté. So we're in this history here. Donc nous sommes dans cette histoire ici. And I've expanded it down here. Et je l'ai étendu donc sur le graphique d'en bas. So we have paganism and papalism. Et nous avons le paganisme et le papisme. Papalism is 538 to 1798. Et le papisme c'est donc 538 à 1798. This is 1260 years. C'est 1260 années. We saw that in 1798. Nous avons vu que en 1798, papacy received a deadly wound. La papauté a reçu une blessure mortelle. And what is that deadly wound? Quelle est cette blessure mortelle? There is no more support from the states. So there's no more state support. Donc il n'y a plus de support de l'État. The person who initiated that et la personne qui a initié cela was Napoleon, c'était Napoléon, the ruler of France. De France. The way he did that, la façon dont il a fait cela was to take over the European nations. C'était pour prendre le dessus sur les nations européennes. And that cut off the support that the papacy had. Et donc le support qu'avait la papauté. Then eventually in 1798, et donc finalement en 1798, he was free to put the Pope into captivity. Il a vu la liberté de pouvoir mettre le pape captif. We saw nous avons vu that the way you trample down the host la façon dont vous piétinez donc l'armée is by using the state c'est en utilisant donc l'État to inflict punishment upon an individual pour infliger donc un châtiment sur un individu. So we developed the logic nous avons développé la logique that in 1798, when the deadly wound was delivered, donc en 1798, lorsque la blessure mortelle a été délivrée, the treading down of the host, donc le piétinement de l'armée, stopped, s'est arrêté. And this host et cette is armée, the church. C'est l'Église. So the treading down of Thyatira stopped. Donc le piétinement de Thyatire donc a stoppé. So we can put number four here. Donc on peut mettre le numéro 4 ici, which is Thyatira. Qui est Thyatire. The treading down of that church stopped. Donc le piétinement de cette église s'est arrêté. And then we have Sardis. Et après nous avons Sardes. That is freed. Qui est donc libéré. And we described this yesterday. Et nous avons décrit cela hier. Through this story of this prostitute. À travers l'histoire de cette prostituée. Having daughters who are harlots. Qui a des filles qui sont donc des prostituées. And one of them escapes. Et il y en a une qui s'échappe. Goes from Europe to America. Qui va donc de l'Europe à les États-Unis. And wants to be free from that work of prostitution. Et qui veut être libéré de cette œuvre de prostitution.
And how does that freedom work? Et comment cette liberté fonctionne? What creates that freedom? Qu'est-ce qui a créé cette liberté? From prostitution. Cette liberté de la prostitution. Revelation Apocalypse 13, verset 11. It was a lamb-like beast. C'était une bête qui était semblable à un agneau. That had two horns. Qui avait deux cornes. And those two horns represent. Et ces deux cornes représentent. Church, l'église, and state, et l'État. But what's making this animal strong? Qu'est-ce qui rend cet animal fort? That they're separate. Ils sont séparés. This is the separation of church and state. Séparation de l'église et de l'État. Which was enacted by what law? Qui a été mise en place par quelle loi? The Constitution. La Constitution. And we also read that. Nous avons aussi lu. In Revelation chapter 12. Cela dans Apocalypse 12. Where we read that the earth, nous avons lu que la terre, the United States, les États-Unis, opened its mouth, a ouvert sa bouche, and did what? Et a fait quoi? It swallowed the flood. Elle a avalé donc le déluge. That had come out of the mouth of the serpent. Qui était sorti de la bouche du serpent. And that serpent, et ce serpent, was the papal church. C'était l'Église papale. Remember that? Vous vous souvenez de ça? But in those verses, dans ces versets. At one level it says the serpent. À un niveau, il est dit le serpent. And at the other level it said the dragon. Et à un autre niveau, il est dit le dragon. Let's just read those verses to remind Lisons, us. Ces versets pour pouvoir nous rappeler de cela. Read verse 15. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. So it's this serpent, the papal church, donc that's causing this flood. Qui, donc c'est le serpent, l'église papale, qui fait cela. But then in verse 16, au verset 16, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. It now speaks about the dragon. Et là maintenant, on parle du dragon. So who's the dragon? Donc qui est le dragon? That we've already spoken of. Dont nous parlons. Kings, c'est des rois, rulers, des législateurs, and governors, et des gouverneurs. So this is the European kings. Donc c'est donc les rois européens. Who are going to persecute the woman? Qui vont persécuter la femme? Under the instruction or the laws? Sur les instructions ou les lois? That the serpent makes. Que le serpent a fait. From its mouth. De sa bouche. Hopefully we can see that connection there. J'espère que nous pouvons voir cette connexion. So you've got the serpent and the dragon, vous avez church le and state. Serpent et le dragon, donc Église et l'État. And the earth helps. Et la terre va aider. Let's just read Daniel chapter 7, verse 25. Nous allons lire Daniel donc 7 au verset 25. Speaking about the papal church. Qui nous parle de l'Église papale. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. So it says, donc il est dit, he, il. If you look at the context of who this he is, et si vous regardez le contexte du il, it's the papal church, c'est l'église papale, he's going to speak great words against God. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. And then it says he shall wear out the saints of the Most High. Il opprimera les saints du Très-Haut. And he shall think to change times and laws. Et il espéra changer les temps et la loi. And the saints, et les saints, shall be given into his hand, seront livrés entre ses mains, until a time, times and the dividing of time. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. And what time period is that? Et quelle période de temps c'est cela? Three and a half times. C'est trois temps et demi. Which is this 1260 here. C'est les 1260 ici. So it says that the saints, donc il est dit que les saints, are going to be worn out, vont être opprimés, until, jusqu'à, the end of the 1260. La fin des 1260. Now this wearing out of the saints in chapter 7, donc c'est, cette oppression sur les saints, donc dans le chapitre 7, is the same, c'est la même, as the treading down, que le piétinement in chapter 8. Du chapitre 8. So in chapter 8 it says tread down. Donc dans le chapitre 8 on dit donc piétiner. 8:13. Donc le verset 13. And in 7:25 it says wear out. Et dans chapitre 7 verset 25 on nous dit opprimer.
Now, in chapter 7, dans le chapitre 7, it specifically says, il est dit spécifiquement, when the wearing out will stop. À quel moment donc cette oppression va cesser? The last part of the verse it says until. Parce qu'on nous dit jusqu'à. Until the 3.5 times is finished. Jusqu'à ce que les 3 temps et demi sont terminés. So for these 1260 years, donc pour ces 1260, there's this wearing out, il y a cette oppression, or treading down, ou ce piétinement, and it finishes here. Et elle se la termine ici. So we saw from 7:25, nous avons vu donc du chapitre 7 verset 25, from 8:13, chapitre 8 verset 13. From the deadly wound, depuis la blessure mortelle, the treading down of the saints or the punishment here finishes in 1798. Que donc le piétinement se termine ici donc en 1798. So we're going to see. Maintenant nous allons voir that this history, que cette histoire, and we said that this was the Millerite history. Donc on a dit que c'était l'histoire des Millerites. Spans this time period from 1798 to 1844. S'étend de cette période de temps de 1798 à 1844. And this is the 2300 day prophecy. Et voici la prophétie des 2300 soirs et matins. And this prophecy here, cette prophétie ici, where Thyatira, ou Thyatire, is what history? C'est quelle histoire? What time period is this? C'est quelle période de temps? 538 to 1788. Good. So we can begin to see. Donc nous commençons à voir how Daniel chapter 8 verse 13 and 14 are structured. Comment Daniel chapitre 8 et 13 sont structurés. So we're not going to read all the verses in Daniel chapter 8. Nous n'allons pas lire tous les versets dans Daniel chapitre 8. But I want to direct us. Mais nous je veux nous diriger to verse 19. Au verset 19. Now before we read that, avant que nous lisions cela, this vision, cette vision, that's spoken of in verse 13, dont il est parlé dans le verset 13, finishes in verse 12. Se termine au verset 12. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons voir cela. And the vision itself, et la vision elle-même, begins in verse 3. Commence au verset 3. Maybe verse 2, depending on how peut-être you understand le verset the verses. 2, ça dépend comment vous comprenez. So the vision is from verse 3 to verse 12. La vision, c'est du verset 2 au verset 12. And then in verse 13, et au verset 13, Daniel can hear a conversation. Il entend une conversation. Now, if we were to study this carefully, si nous étudions cela attentivement, we'd know that verse 13 is the conversation between Jesus and Gabriel. Le chapitre 13 est une conversation entre Jésus et Gabriel. Actually mentions Gabriel's name in verse 16. Le nom Gabriel est donc mentionné au verset 16. And the person who's speaking to Gabriel is Jesus. Et la personne qui parle à Gabriel, c'est Jésus. So after Daniel's heard this information, donc après que Daniel ait entendu cette information, the question and answer of verse 13 and 14, donc la question est répondue au verset 13 et 14, Daniel wants to know what this is all meaning. Daniel veut comprendre la signification. It says that in verse 15. We'll read verse 15. Donc le verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Now, when we speak about the cleansing of the sanctuary, donc lorsque nous parlons de la purification du sanctuaire, sometimes, quelquefois, it gives us a misunderstanding of what that event is actually talking about. Nous avons une mauvaise compréhension de ce que veut réellement signifier cet événement. Because it actually means the restoration. Parce que en fait, cela veut dire la restauration. In the original context. Dans le contexte original. Now, we're in the book of Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. And if we were to go to Daniel 1:1, et si nous allons dans Daniel 1:1, this book begins in the third year of Jehoiakim. Ce livre commence la troisième année de Joachim. So we'll read that. La troisième année, donc Daniel 1:1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. So the whole book begins in the third year of Jehoiakim. Donc le livre commence donc à la troisième année de Joachim. And when does the whole book finish? Et quand est-ce que le livre finit? Remember we spoke about the Alpha and the Omega. Nous avons parlé de l'alpha et de l'oméga. Beginning and the end. Le commencement et la fin.
And we can see these patterns. Et nous pouvons voir ce schéma, cette structure. It helps us to understand. Cela nous aide à comprendre. The scope of stories. Ok, le but, non, c'est pas bon, le but de l'histoire. So, I want us to see this. Alors, j'aimerais dire cela. This is Daniel 1:1. Donc, c'est Daniel 1, verset 1. And it's in the third year. Et nous sommes la troisième année. Of Jehoiakim. De Joachim. Jehoiakim. Joachim. Is the king of Judah. C'est le roi de Juda. He's in his third year. Il est dans sa troisième année. And he's the third king from the very end. Et il est le troisième roi en partant de la fin. Third from the last king. C'est le troisième des derniers rois. So I'll show you that. Donc je vais vous montrer cela. We've got Zedekiah. On a Sédécias. Jehoiakim. On a Joachim. And Jehoiakim. Et Joachim. And these are the last kings. Ce sont les derniers rois. And this here. Et ici, is when Nebuchadnezzar, c'est quand Nebuchadnezzar is going to come and destroy va détruire the temple. Le temple. And we've spoken about this already. Et nous avons déjà parlé de ça. So Jehoiakim is this third from the last king. Donc Joachim, c'est le troisième en partant de la fin des derniers. And this is when Daniel's taken captive into Babylon. Et c'est à ce moment-là que Daniel va être emmené captif à Babylone. And you remember we did this little diagram. Et nous avons fait ce dessin. That looked like this. Qui en fait ressemblait à cela. Saul, Saül, David, Solomon. Salomon. Then the temple, sorry, then Israel gets split into two. Israël est divisé en deux. 10 tribes. 10 tribus. 2 tribes. Deux tribus. This is Rehoboam. Jéroboam. Rehoboam. Jéroboam. Okay, sorry. And Jeroboam. Okay, donc pardon, Roboam et Jéroboam. Okay. So Rehoboam and Jeroboam. Donc Rehoboam et Jéroboam. And this is the 12, sorry, this is the 10 tribes. Donc ce sont les 10 tribus. And this is the 2 tribes. Et là on voit 2 tribus. Remember we spoke about these 10 tribes when we did this diagram before. Nous avons déjà parlé de ces 10 tribus, souvenez-vous. Because we spoke about the dragon power. Parce qu'on a parlé du dragon. The 10 kings of Revelation 17. Les 10 rois d'Apocalypse 17. Which was the dragon power. Qui était la puissance du dragon. And we saw that the United States was going to become a dragon. Et que les États-Unis allaient devenir un dragon. And the United States becomes the king of the kings. Et les États-Unis vont devenir le roi des rois. So this number 10. Donc ce numéro 10 becomes a symbol. Devient un symbole. Of those people who fight against God's people. De ces personnes qui vont combattre le peuple de Dieu. But we're here, mais nous sommes ici. And we're at the very end. Nous sommes à la fin. Of the last kings. Des derniers rois. And we're in the third year of Jehoiakim. Nous sommes à la troisième année de Joachim. So it's interesting to know. Donc c'est intéressant de voir. That he's the third from the last king. Qu'il est le troisième dernier roi. And it's in the third year. Et c'est la troisième année. So hopefully we can see that. If you're not just wanted to give you some history about who these kings are. It's important to know that. Alors, je vais vous donner une petite histoire pour savoir quels sont ces rois, c'est important. So the book of Daniel begins here. Donc le livre de Daniel il commence ici. And when does the book of Daniel end? What is the history? Et à quel moment termine le livre de Daniel? C'est quoi l'histoire? Read verse 21. Donc lisez le verset 21. It's the first verse. C'est le The first verse. The first verse. The first verse, le premier verset, to the last verse, du dernier verset, of Daniel chapter 1. De Daniel chapitre 1. So this is the alpha. Donc ça c'est l'alpha. The first. Le premier. And this is the omega. Et ça c'est l'oméga. The last. Le dernier. The first and the last. Le premier et le dernier. So chapter 1. Donc le chapitre 1. Is talking about. Nous parle de. The whole span of the book of Daniel. De toute l'étendue du livre de Daniel. So let's read verse 21. Lisons le verset 21. Ainsi, donc Daniel 1, 21, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. So it says, donc il est dit, the first year, la première année, of Cyrus. De Cyrus. So can you see there's a problem? Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a un problème? Because you've got the third year. Vous avez la troisième année. What should you expect to see here? Qu'est-ce que vous pourriez vous attendre à trouver ici? You should expect to see the third year, shouldn't you? C'est la troisième année. So, did God make a mistake? Est-ce que Dieu a fait une erreur?
No. Non. So we're going to cross out this first. Donc on va enlever ce premier. And we're going to make it the third year of Cyrus. Et on va le mettre la troisième année de Cyrus. So let's go to Daniel 10. Donc allons dans Daniel 10. Before we read it there. Et avant que nous lisions. It says Daniel continued. Okay. Verse 21. Donc verset 21. It says Daniel continued under the first year. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. To continue. Donc continuer. Means his ministry. Ça veut dire que son ministère continue. He continued his ministry. Il continue son ministère. Until the first year of Cyrus. Jusqu'à la première année du roi Cyrus. But let's read Daniel chapter 10. Lisons Daniel chapitre 10. Verse 1. Verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. 10-1? Mm-hmm. Yeah. All the verse. Okay. Oh no, that's fine. Okay. So, it tells you what year in this verse. Donc, on nous parle de quelle année dans ce verset? Can we see? Vous pouvez voir? It's the third year of Cyrus, like we said. C'est la troisième année de Cyrus. So you can see, vous pouvez voir, even though it says the first year of Cyrus, que même s'il est dit la première année de Cyrus, it's actually talking about the third year of Cyrus. En fait, c'est la troisième année de Cyrus. Begins here and ends here. Elle commence ici et elle termine ici. So, all of this history, donc toute cette histoire, is the history of Daniel. C'est l'histoire de Daniel. And all those visions were given in this time span. Toutes les visions ont été données dans ce laps de temps. When we think about what's going on, donc lorsque nous réfléchissons à ce qui se passait, and we think about the book of Daniel, nous réfléchissons, nous pensons au livre de Daniel, and we think about 538 to 1798. We're now going to introduce nous allons maintenant introduire Cyrus into this story. Cyrus dans cette histoire. Yeah? Oui. We have to incorporate him into this story somewhere. Nous devons l'incorporer dans cette histoire. Now if you remember, si vous vous souvenez, when we looked at Isaiah, nous avons regardé Ésaïe, remember? 46. Verset 10. We said nous avons dit that the identification of the true God l'identification du vrai Dieu is what? C'est quoi? It's the God that tells you what's going to happen at the end. Le Dieu qui vous dit ce qui va se passer à la fin. By what happened at the beginning. Parce qu'il s'est passé par le commencement. It's not just a God. Ce n'est pas simplement un Dieu who can predict the future. Qui va prédire le futur. Because I could do that. Parce que je peux le faire. I could predict the future. Je peux prédire le futur. Tomorrow, demain, it's going to be sunny. Ça, il va faire beau. Yeah. Ouais. It doesn't mean much. Ça veut rien dire. And we can make any kind of predictions that we want. On peut faire plein de prédictions, toutes les prédictions qu'on veut. But the special thing that makes God who He is, His evidence, the proof that He is God. Et la chose qui prouve que Dieu est Dieu. Is that when He predicts the future? Et lorsqu'il prédit le futur. What do we know that future looks like? Comment nous savons à quoi le futur va ressembler? By the beginning. It's an exact replica. C'est une réplique exacte. Of what happened at the beginning. De ce qui s'est passé au début. Now, we as God's people have forgotten this rule. Nous avons oublié cette règle en tant que peuple de Dieu. Because if we had remembered it. Parce que si nous nous étions souvenus. We'd be spending our times in the Bible. Nous aurions en fait passé du temps dans notre Bible. Studying the Old and New Testament. En étudiant l'Ancien et Nouveau Testament. Not just as some moral story. Pas simplement comme des histoires morales. But what kind of stories would they be? Mais comme quel type d'histoire? They'd be prophetic stories. Comme des histoires prophétiques. About the end of the world. Sur la fin du monde. Would they not? N'est-ce pas? Can we see how we should be studying our Bibles? Est-ce que nous voyons comment nous devrions étudier notre Bible? I think most people here. La plupart des gens qui sont ici. Have been coming to the evening presentations. Sont venus donc aux présentations du soir. And you know that we've been talking about churches. Et vous avez vu que nous avons parlé des églises. What churches have we been focusing on? Et nous sommes focalisés sur quelle église? Laodicea. Laodicée. And et Ephesus. Éphèse. So you have Laodicea. Vous avez Laodicée. Who's a rebellious church. Une église rebelle. And you have Ephesus. Éphèse. Which is this beautiful, white, pure church. Qui est cette belle église blanche et pure. And what did we learn about them? Qu'est-ce que nous avons appris? That they're the experience. Ce sont les expériences. Of how many churches? De combien d'églises? It's one church. It's only one church. C'est une seule église.
But it's the experience of that church. C'est l'expérience de cette église. And the experience is happening at the same time. L'expérience se déroule au même moment. Yes? Oui. In the time of Christ, à l'époque de Christ, the Messiah comes. Le Messie est venu. And what does he want to do? Qu'est-ce qu'il voulait faire? To Laodicea. À Laodicée. Who is naked. Qui est nu. He wants to give this naked woman. Il voulait donner donc à cette femme nue. Some clothing. Des vêtements. Yes. Oui. So what kind of clothing would he want to give to this woman? Donc quel type de vêtements voulait-il donner à cette femme? We read it in Revelation 19. Nous l'avons lu dans Apocalypse 19. It says the bride. L'épouse. Has made herself. S'est préparée. Ready. S'est préparée. So this Laodicean church. Donc cette église de Laodicée. Who's naked? Qui est nue. He wants to clothe. Il veut l'habiller. With his righteousness, avec sa justice, which is her wedding garment, qui est son vêtement de noces, and it's all white. Il est tout en blanc. So we understand what God wants to do. Nous comprenons ce que Dieu veut faire. Did he succeed? Est-ce qu'il a réussi? To clothe his wife. À revêtir donc cette femme. When he came at his first advent. Lorsqu'il est venu à sa première venue. Did he succeed or did he fail? Est-ce qu'il a réussi ou est-ce qu'il a échoué? Il succède, but does Jesus ever fail? Est-ce que Jésus échoue? Of course, he never fails. Non, il n'échoue jamais. It's just that it looks different than what we expected. C'est juste que ça a l'air différent de ce que nous attendions. You would have expected, perhaps. On attendait peut-être. If there were 3 million Jews. S'il y avait 3 millions de Juifs. That when he said, "I'm going to clothe 3 million people." Que lorsqu'il dit, je vais revêtir donc 3 millions de personnes. Who are naked? Qui sont nus. They'd all put their hand up and say, "I'll have a garment, please." Et qu'ils lèvent la main et disent, est-ce que je peux avoir un vêtement, s'il te plaît? But that didn't happen. Mais ça ne s'est pas passé. Only a few people. Seulement quelques personnes. A remnant. Un reste. Now you and I all know. Donc vous et moi nous savons. That this church is in a bad condition. Que notre église est dans une mauvaise condition. Why? Pourquoi? Because you're a part of this church. Parce que vous faites partie de cette église. Because you're the reason the church is in such a bad condition. Et vous êtes une raison pour laquelle cette église est dans cette mauvaise condition. Condition puisqu'elle est faite de of people like you, de personnes comme vous, naked, qui sont nus, poor, blind, pauvres et aveugles. What's Jesus offering us today? Qu'est-ce que Jésus nous offre aujourd'hui? He's offering to clothe us, de nous revêtir, with a wedding garment, avec un vêtement de noces, or if we're the bride, ou si nous sommes une épouse, with our bride's garment, avec yes? Notre vêtement d'épouse. And what are most of us going to say? Et qu'est-ce que la plupart d'entre nous vont dire? No, thank you. Ils vont dire non, merci. We prefer to be naked. On préfère rester nus. Because we think. Parce que nous pensons. We're rich and increased with goods. Que nous sommes riches et enrichis de biens. So, if we can understand that dynamic. Donc si nous pouvons comprendre cette dynamique. That the few people are going to accept. Que seulement une seule personne va accepter. Did Jesus fulfill his mission? Est-ce que Jésus a accompli sa mission? Of course he did. Bien sûr. Because you have the 12 disciples. Parce que vous avez les 12 disciples. Then the 70 disciples. Après les 70 disciples. Then the 120 disciples. Après les 120 disciples. And then 3,000 people baptized après in one day. Après 3,000 personnes baptisées en un jour. And then the gospel goes to the Gentiles. Et après l'évangile qui va au monde. At the same time. Et au même moment. What happened to those millions of Jews? Qu'est-ce qui se passe pour ces millions de Juifs? What did God do with them? Qu'est-ce que Dieu fait avec eux? Think about marriage. Pensez au niveau de mariage. He divorced them, didn't he? Il les répudie, n'est-ce pas? Yeah. Oui. He divorced them. Why did he divorce them? Pourquoi il les répudie? Because they went into bed with someone. Parce qu'ils sont allés, ils ont couché avec quelqu'un. Who did they commit fornication et with? Avec qui ils ont commis la fornication? We're not sure. Nous ne sommes pas sûrs. Jésus is in Gethsemane. Et à Gethsemane. AD 31. En 31. Judas Iscariot has left. Donc Judas est parti. And what time is it? Et il est quelle heure? Midnight. Midnight. Il est minuit. Jesus says to his disciples, "Wake up." Et Jésus dit à ses disciples, réveillez-vous. Why? Pourquoi? He says they're coming to get me. Parce que ils sont en train de venir pour m'arrêter. And as they're waking up. Et alors qu'ils se réveillent. Jesus stands. Jésus se lève. And this group of people come. Et il y a un groupe de personnes qui vient. Who is in that group? Qui est dans ce groupe? How many groups are there that et all come together? Il y a combien de groupes qui viennent ensemble? There's three. Il y en a trois. One of them is who? Il y a un c'est lequel? Judas. Il y a un c'est Judas. He's going to tell them where Jesus can be found. Il va leur dire où est-ce que Jésus peut être trouvé. So who's the other group? Qui est les deux autres groupes?
The leadership of the Jews. The church. Donc l'église. And the third group. Et le troisième. The state. The state, the Roman church. Sorry, the Roman government. Le gouvernement romain. So you can see that the church. Vous pouvez voir que l'église. Our church. Que notre église. Us. Nous. Are going to have a relationship with the government. On va avoir une relation avec le gouvernement. To do what? Pour faire quoi? To kill. Pour tuer. Christ. Christ. Has Christ come down to earth? Est-ce que Christ est venu sur terre? Today. Aujourd'hui. Of course he has. Bien sûr. We spoke about this. Nous avons parlé de ça. John the Baptist. Jean le Baptiste. And Jesus. Et Jésus. Typified by. Typifié par. Moses. Par Moïse. So you see the roles that these men play. Vous voyez le rôle que ces hommes ont joué. Are a recurring theme throughout the scriptures. Sont un thème récurrent dans les Écritures. And when Jesus comes down to earth today. Lorsque Jésus il vient sur terre aujourd'hui. What does it look like? Il ressemble à quoi? Does he look like some fancy man? Est-ce qu'il comment dire, il ressemble à un homme fancy. Clever, sophisticated. Voilà, sophistiqué, intelligent. Man or woman? Homme ou femme? No. Non. It's going to look like this. Il ressemble comme ça à ça. Just a normal person. Une personne normale. Who's clothed like everyone else. Qui est habillé comme tout le monde. Because what have they got inside them? Parce que qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. And that's when Jesus comes down at the end of the world. Et c'est comme ça que Jésus descend à la fin du monde. He's not going to come down physically. Il va pas venir physiquement. But he's going to come through the Holy Spirit. Mais il va venir à travers le Saint-Esprit. And he's going to do a work. Il va faire une œuvre. For his people. Pour son peuple. In his people. Dans son peuple. And how many of God's church are going to accept? Et combien dans l'église de Dieu vont l'accepter? Only a remnant. Seulement un reste. And what's the rest of the church going to do? Qu'est-ce que le reste de l'église va faire? They're going to be upset. Ils vont être en colère. They're going to join hands with the government. Ils vont se joindre au gouvernement. To persecute God's people. Et pour persécuter le peuple de Dieu. So, all I wanted to think about. Donc ce que j'aimerais que nous regardions. Was these two churches. Ce sont ces deux églises. Two different experiences. Deux expériences différentes. Laodicea. Laodicée. Who doesn't listen. Qui n'écoute pas. And Ephesus. Et Éphèse. Who's all in white. Qui est tout en blanc. Pure and clean. Qui est pur et clean. And it's all about marriage. Et c'est à propos du mariage. So, do we know a story? Est-ce que nous connaissons une histoire? About a man. À propos d'un homme. Who has two wives. Qui avait deux femmes. One is going to be rebellious. Une qui va être rebelle. And one is good. Une qui est bonne. He's going to divorce one. Il va divorcer d'une. Marry another one. Et se marier à une autre. Do we know a story like Est-ce that? Est-ce que nous connaissons une histoire comme ça? Esther. Story of Esther. L'histoire d'Esther. Now, how many times you've read the story of Esther? Combien de fois avez-vous lu cette histoire d'Esther? And you think this is a beautiful love story? Et vous dites c'est une belle histoire d'amour. About a faithful woman. Une femme fidèle. Who marries this handsome king? Qui se marie avec ce beau roi? And it has nothing to do with prophecy. Et ça n'a rien à voir avec la prophétie. So I want to tell you. Donc je vais vous dire. It has everything to do with prophecy. Ça a tout à voir avec la prophétie. Because all the Bible was written for our admonition. Parce que toute la Bible a été écrite pour notre instruction. And unless we can see that, et si nous n'arrivons pas à voir cela, we're going to struggle. Nous allons avoir des difficultés. So that king, donc ce roi, that wicked evil king, donc ce roi méchant, do you remember what his name is? Vous vous souvenez de son nom? Ahasuerus. Ahasuerus. Xerxes. Donc Xerxes. That's his secular name. Donc ça c'est son nom séculier. And it's Ahasuerus. Et c'est Ahasuerus. Which book is he found in, by the way? Et il est trouvé dans quel livre à propos? The book of Le livre de Esther. Esther. Do you know? Vous saviez, saviez-vous? That we've spoken about him already. Que nous avons déjà parlé de lui. In the book of Daniel. Dans le livre de Daniel. So this king can be found in the book of Daniel. Ce roi peut être trouvé dans le livre de Daniel. So you know the story of Esther has something to do with prophecy, just Donc, at that level. Vous savez déjà à ce niveau-là que le livre d'Esther a forcément un rapport avec la prophétie. But the reason I mention this. La raison pour laquelle j'ai mentionné cela. Is to make the point. C'est pour dire. That we have to rethink how we read. The Bible. Nous devons repenser notre façon de lire la Bible. We just keep on thinking of it as a moral story. Nous les voyons que comme des histoires morales. But it's a prophetic story. Mais c'est une histoire prophétique. Now one of the things. Donc une des choses. That's catching our church off guard. Qui
They're not prepared. Qui fait en sorte que notre église ne se prépare pas. They haven't been on guard, on duty. Ils n'ont pas été sur leur garde. Because they don't understand. Parce qu'ils ne comprennent pas. How prophecy works. Comment la prophétie fonctionne. Is this idea? C'est cette idée. That there are going to be two parallel experiences at the same time. C'est qu'il y a deux expériences parallèles au même moment. Now, I already showed you that happened in the time of Moses. Je vous ai montré cela dans l'époque de Moïse. And it happened in the time of Jesus. Dans l'époque de Jésus. But our church. Mais notre église. Says it's not going to happen in our time. Dit cela ne va pas se passer à notre époque. What God is going to do. Ce que Dieu va faire. He's going to take all of us Laodiceans. Il va prendre tous nous tous Laodiceans. He's going to fix us up and repair us. Il va nous réparer. We don't know how. On ne sait pas comment. Except through the gospel. À travers l'évangile. But no one actually understands how that mechanism personne works. Personne comprend comment ce mécanisme fonctionne. And we're all going to go to heaven. Et on va tous aller au ciel. Now, just from the little that we've shared this week. Et juste à propos de ce que nous avons dit donc cette semaine. We must all know that that cannot be true. Nous pouvons tous voir que ça ne peut pas être vrai. Can it? N'est-ce pas? Can't be. Ça ne peut pas être vrai. Because the God we serve. Parce que le Dieu que nous servons. What does he show you about the end of the world? Qu'est-ce qu'il vous a montré sur la fin du monde? It will be identical. Que ce sera identique. To what? À quoi? The beginning. Au début. And the beginning et le début is each of these stories. C'est toutes ces histoires. So the book of Esther. Donc le livre d'Esther. Teaches what? Nous enseigne quoi? There's a husband and wife. Il y a un mari et une femme. Christ and his church. Il y a Christ et son église. It's only one church. Il y a seulement une église. She is not going to listen to him. Elle ne va pas l'écouter. And so he's going to marry a new church. Il va se marier à une nouvelle église. Esther. Esther. Now this is a parable, remember? Mais c'est une parabole, souvenez-vous. Because there can't be two churches at the same time. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux églises au même moment. So what is it teaching us? Qu'est-ce que cela nous enseigne? It's a singular church. C'est une seule église. With two different experiences. Avec deux expériences différentes. And this is the theme. Et c'est le thème. Of the whole of the New Testament. De tout le Nouveau Testament. From the four Gospels. Les quatre évangiles. To the other 23 books. Aux autres 23 autres livres. Or 22 if you exclude ou 22 Revelation. Si d'excluer le livre de l'Apocalypse. The epistles, les épîtres, and the gospels, et les évangiles, teach this theme. Enseignent cette chose. That there are these two parallel churches. Il y a ces deux églises parallèles. These two movements. Ces deux mouvements. Laodicea and Ephesus. Laodicée et Éphèse. And we have to go from one experience. Et on doit aller d'une expérience. Experience of nakedness. Donc l'expérience de la nudité. Here. Ici. To the passage of baptism. Du passage du baptême. To this place here where we're full of the glory of God. Et de cet endroit où nous sommes remplis de la gloire de Dieu. But it's hidden. Mais c'est caché. For a time. Pour un certain temps. So I wanted to mention that. Donc je voulais mentionner cela. Because I wanted to just show us. Parce que je voulais nous montrer. That when we begin to read these Old Testament stories. Que lorsque nous lisons donc ces histoires de l'Ancien Testament. We want to start reviewing them. Nous voulons les revoir. And thinking about them in a different way. Et y réfléchir d'une façon différente. Once you do that. Et lorsque vous faites cela. You'll see that many of these stories. Vous allez voir que toutes ces histoires. Have a life. Ont une vie. That you would never have imagined. Que vous n'auriez jamais imaginé. Both in the Old Testament and the New. À la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. So. We spoke about the book of Daniel. Nous avons parlé du livre de Daniel. And we saw. Et nous avons vu. That Cyrus. Que Cyrus. The third year of Cyrus. La troisième année de Cyrus. Is connected. Est en relation. To the third year of Jehoiakim. Avec la troisième année de Joachim. Third year, third king. La troisième année, le troisième roi. This spans the ministry of Daniel. Et là, c'est le ministère de Daniel. The first and the last verse. Le premier et le dernier verset. By the way. If you thought that this was a mistake here. À propos, si vous pensez que c'était une erreur ici. It's not. Ce n'est pas. When Medo-Persia, à quel moment le royaume Médo-Perse came to destroy Babylon, est venu détruire Babylone, we should be in the book of Daniel, I think. Donc ce doit être dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Go to chapter 5. On va aller dans le chapitre 5. Last verse. Le dernier verset. No, to two last verses, 13 and 31. Donc versets 30 et 31, Daniel 5. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. So Daniel chapter 5. Donc Daniel chapitre 5. Verses 30 and 31. Versets 30 et 31. Talk about the destruction and the end of Babylon. Nous parle de la destruction et de la fin de Babylone. And who becomes the king? Et qui devient le roi? Darius. Darius. The Mede. Le Mède. He becomes the king. Il devient le roi. 62 years old.
jusqu'à étant âgé de 62 ans. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. We're not going to address this, but on ne va pas en parler en détail, mais why does it tell you how old he was? Pourquoi on nous dit l'âge qu'il avait? What difference does it make to us? Et qu'est-ce que ça nous apporte? 2,500 years later. Plus de 2500 ans après. That he was 62 years old. Qu'il avait 62 ans. Why give that information? Pourquoi on a cette information? If we were theologians, si nous sommes théologiens, we'd say the Lord was trying to give us evidence that this really happened. Le Seigneur essaie, on aurait dit, le Seigneur essaie de montrer que c'est des preuves que c'est vraiment passé. We'd go and do some archaeological work. Donc on va faire un travail archéologique. Dig up some record book. On va essayer de trouver des livres généalogiques. And it would prove the Bible to be true. Et on va prouver que la Bible est correcte. Do you think that's the reason? Et vous pensez que c'est ça la raison? Because I don't. Non, moi je ne pense pas. 62 years. Donc 62 années. Is a prophetic number. C'est un nombre prophétique. That the Lord wants to teach us something about. Et le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Because he wants to connect Bible verse with Bible verse. Parce qu'il veut connecter des versets bibliques avec des versets bibliques. And bring this to the end of the world. Et nous amener ça à la fin du monde. To make an application. Pour faire une application. Hopefully we could see that. Et j'espère que nous pouvons voir cela. Even if you don't understand how it works. Et même si vous ne savez pas comment cela fonctionne. Did that make sense? Est-ce que ça a du sens? Even if we don't know. Même si nous ne savons pas. What it all meant. Ce que cela signifie. Yeah. Oui. We've spoken. Nous avons parlé. That the history of Christ. L'histoire de Christ. Is going to be repeated at the end of the world. Va être répétée à la fin du monde. We can make that connection. Nous pouvons faire cette connexion. We spoke here. Nous avons vu. Of the 70th week. La 70e semaine. We all got that. Yes? Mm-hmm. Vous avez vu cela. Which chapter were we in? Nous sommes dans quel chapitre? Talk about the 70th week. La 70e semaine. Daniel chapter? Daniel chapitre? 9. Daniel chapitre 9. 70 weeks. 70 semaines. It's split into three sections. Elle est divisée en trois sections. Before we read that, avant que nous lisions cela, it said in Daniel chapter 5, dans Daniel 5, Darius is how old? Darius, il a quel âge? 62. Il a 62 ans. Yep, 62. 62 ans. Go to Daniel chapter 9. Daniel chapitre 9. Verse 25. Verset 25. The 70 weeks. Les 70 semaines. Is broken into three sections. Elle est divisée en deux sections. The first section is. La première section. 7 weeks. 7 semaines. The next section is. Et la dernière section, deuxième. 62 weeks. 62 semaines. The last one is one. Et la dernière, c'est une. Which is the one that we've identified there. Et c'est celle qu'on a identifiée ici. So if we were going to be Bible students, donc si nous voulons être des étudiants, students of prophecy, des étudiants de la prophétie, we've got 62 weeks in Daniel 9. On a 62 semaines dans Daniel 9. And we've got 62 years in Daniel 5. Et on a 62 années dans Daniel 5. And we should think. Et on devrait réfléchir. What is God trying to teach us? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? To give us the age of this Median king. En nous donnant l'âge de ce roi Mède. Because we've already shown parce que nous avons déjà montré that the history of Christ que l'histoire de Christ is a component or is a prefiguring of our own history. C'est une préfiguration de notre propre histoire. Do we agree with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Yeah? Oui. His first advent must be connected to his second advent. Donc la première venue est forcément connectée à la deuxième venue. But in a much more detail than we've ever thought. D'une façon beaucoup plus détaillée que nous n'avons jamais pensé. We've got that. We already showed. Nous avons déjà montré. What power destroys Babylon? Quelle puissance a détruit Babylone? The Medo-Persians. Les Médo-Perses. The Medo-Persians are symbolized as a. Les Médo-Perses sont symbolisés comme un. Sheep. Comme un agneau. Daniel chapter 8. Comme un bélier. Daniel chapitre 8. Verse 3 and verse 20. Verset 3 et verset 20. But there's another kingdom that's identified as a sheep in Bible. Il y a un autre prophecy. En fait, comment dire, un autre royaume qui est identifié par comme un ovin. Revelation 13:11. C'est Apocalypse 13 verset 11. A lamb-like beast. Et une bête qui ressemble à un agneau. Who's that? C'est quoi? United States. États-Unis. So you've got Medo-Persia. Vous avez les Médo-Perses. Is going to be talking about the United States. Va nous parler des États-Unis. So if you've got a Median king. Donc si vous avez un roi Mède. Who's 62? Qui a l'âge de 62 ans. Which is going to connect you. Cela va vous mettre en relation to Daniel chapter 9. À Daniel chapitre 9. And Daniel chapter 9. Daniel chapitre 9. The 62 weeks. Les 62 semaines. Where does it take you to? Vous emmène où? Does anybody know? Est-ce que vous savez? Seven weeks. Donc 7 semaines.
62 weeks. 62 semaines. 1 week. Une semaine. Here 69. On a 69. And one. Et une. Which is the 70 weeks. Qui est les 70 semaines. This is the 70th. La 70e semaine. It's this one here. Celle-là ici. So the 62 weeks brings Donc you to where? 62 semaines vous emmènent où? Here. Ici. So we're at AD 27. Nous sommes en 27 après Jésus-Christ. The baptism of Christ. Le baptême de Christ. We've been speaking about baptism. Et lorsque nous étions en train de parler du baptême. Where you need to come from a Laodicean condition to another condition. Vous deviez sortir d'une condition laodicéenne à une autre condition. Can you begin to see? Est-ce que vous commencez à voir? How you're going to connect? Comment vous allez connecter? These apparently unrelated things together. Ces choses qui ne sont apparemment pas en relation et vous allez les mettre ensemble. The subject of baptism, le sujet du baptême, as Paul discusses it, tel que Paul en parle, is connected et en relation to this history that we've just spoken about. Avec cette histoire dont nous venons de parler. And et we know that the Medo-Persians, nous savons que les Médo-Perses symbolizing symbolisent the United States. Les États-Unis. So you know the United States. Donc vous savez que les États-Unis are going to have some involvement. On va avoir une implication. Just based upon this story that we've just read. Juste basé sur cette histoire que nous avons lue. 62 weeks. Les 62 semaines. 62 years. Les 62 années. Coming back to Isaiah 46 verse 10. On va revenir dans Ésaïe 46 verset 10. We need to be able to connect. Nous devons être capables de mettre en relation the history of Cyrus. L'histoire de Cyrus. With what history? Avec quelle histoire? With the history of Daniel chapter 8. Avec l'histoire de Daniel chapitre 8. Because we've got Daniel chapter 1 is all of this. Parce que Daniel 11, Daniel 1 c'est tout cela. What year is Daniel chapter 8 in? Et c'est quelle année Daniel 8 14? Read verse 1. Lisons le verset 1. Chapter 8 verse 1. Chapitre 8 verset 1. Oh, look what we found. What is that year? C'est quelle année? The third year. La troisième année. You think that's a surprise? Est-ce que c'est une surprise? Sorry, coincidence. Une coïncidence. It's not. Non. This is the third year of Belshazzar. Donc c'est la troisième année de Belshazzar. Jehoiakim. Donc Joachim. Was the third king in the third year. Le troisième roi dans la troisième année. This is Cyrus. Là c'est Cyrus. Oh, we didn't finish that. Let me finish that. Je n'ai pas fini ça. Okay. Désolé. Belshazzar. Belshazzar. He's the last king. C'est le dernier roi of the Babylonian Empire. Du roi de l'Empire babylonien. The new Babylonian Empire, let me say it that way. Le nouveau l'Empire babylonien. You have Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. The first. Le premier. Then his son. Son fils. Second. Le deux. And then his grandson. Et son grand-fils. What's his grandson's name? Et son petit-fils. Belshazzar. C'est Belshazzar. So in the third year, donc la troisième année of the third king, du troisième roi, these stories repeat over and over again. Donc ces histoires se répètent encore et encore. This is where Daniel chapter 8 is. C'est là qu'on voit Daniel chapitre 8. It's somewhere in this story here. C'est ici. So all I want us to see, donc que je vous aimerais que vous voyez, is that when we think about Daniel chapter 8, lorsque nous parlons de Daniel chapitre 8, it has to have something to do with Cyrus. Ça doit être en relation avec Cyrus. Because in the original literal story, parce que dans l'histoire littérale, this is the sequence of events. C'est la suite des événements. Oh, let's come to this, first year and third year. Donc on va revenir à ça, donc la première et troisième année. The Medes and Persians were two nations that had joined together. Donc les Médo-Perses, c'est deux nations qui ont été jointes l'une et l'autre. Who is their ruler? Qui est leur dirigeant? When they come to make war against Babylon. Lorsqu'ils vont faire la guerre à Babylone. Darius. Most people would think it's Darius. Donc, la plupart des gens pensent que c'est Darius. But it's actually Cyrus. En fait, c'est Cyrus. Cyrus was the king. Cyrus était le roi. The Persians. Le roi des Perses. Darius was the king of the Medes. Et Darius était le roi des Mèdes. How many kings are that? Combien ça fait de rois? Two kings. Ça fait deux rois. Let's go to Revelation. Allons dans Apocalypse. 16. Apocalypse 16. When they come and destroy Babylon, lorsqu'ils sont venus détruire Babylone, do we know how they came and destroyed it? Est-ce que vous savez comment ils ont fait pour détruire Babylone?
They take the river Euphrates. Ils ont pris la rivière l'Euphrate. And they redirect the water. Et ils ont redirigé donc le fleuve. So they dry it up. Ils l'ont asséché. And someone left the gate unlocked. Et quelqu'un a laissé donc la porte non fermée. They went into the city and killed everybody. Et ils sont allés dans la ville et ils ont tué tout le monde. Let's read in Revelation 16. Lisons Apocalypse 16. Verse 12. Verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otari afin que les chemins des rois venant de l'Orient fussent préparés. How many kings are there? Combien y a-t-il de rois? Is it one? Est-ce qu'il y en a un? Or in the plural? Ou ils sont au pluriel? It says the kings of the east. Les rois venant de l'Orient. What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They dry up. Ils ont tari. The river Euphrates. Ils ont asséché la rivière Euphrate. This is the story. C'est l'histoire. Of Isaiah. D'Ésaïe. Chapter 45, 46 and 47. Chapitre 45, 46 et 47. Which is the story. Qui est l'histoire. Of Cyrus. De Cyrus. So you know. Donc vous savez. When they come and destroy Babylon in Daniel chapter 5. Lorsqu'ils sont venus combattre Babylone dans Daniel chapitre 5. Cyrus. Says to his uncle. A dit à son oncle. Darius. Uncle. Mon oncle. Out of respect to you. Avec respect pour toi. I'll make you the king of Babylon. Je vais te faire roi de Babylone. Because he was a gracious man. Parce que c'était un homme qui était bien. So at the very beginning. Donc au début. You have Darius. Vous avez Darius. He's made king of Babylon. Il est fait roi de Babylone. I'll call it the king of the north. Je vais l'appeler le roi du nord. He. Donc lui. Reigns for 2 years. Il va régner 2 années. And then he dies. Il va mourir. So this is Darius. Donc là c'est Darius. Who's the king of Babylon? Qui est le roi de Babylone? But who's the real king? Mais qui est le vrai roi? Cyrus. C'est Cyrus. So here's Cyrus. Donc ici c'est Cyrus. And let's do it this way. I'm going to put 1, 2, 3. Donc je vais faire 1 2 3. Because this is 1 year. Donc ça c'est une année. And this is 2 years. Et ça c'est 2 années. And this is the first year of Darius. C'est la première année de Darius. So when it talks about this history here. Donc lorsqu'on parle de cette histoire ici. It says the third year of Cyrus. La troisième année de Cyrus. Here's the third year of Cyrus. Donc ici c'est la troisième année de Cyrus. In this history here. Dans cette histoire ici. There were 2 kings. Il y avait 2 rois. But what are they kings of? Mais il était roi de quoi? Revelation 16. Ah, sorry. There are 2 kings here. Il y avait 2 rois ici. And what are they kings of? Et ils sont des rois de quoi? Revelation 16. Selon Apocalypse 16. Kings of the? Des rois de? Kings of the East. Ils sont des rois de l'Orient. Not the kings of the North. C'est pas des rois du Nord. They're going to kill Belshazzar here. Ils vont tuer Belshazzar ici. And Darius becomes the king of the North. Et Darius va devenir le roi du Nord. There's only going to be one king of the north. Mais il y aura seulement un roi du nord. Not two. Pas 2. So when he dies in 2 years. Donc lorsqu'il est mort en fait 2 ans après. Who's going to become the king of the north? Qui va être le roi du nord? Cyrus. Donc Cyrus. So this is the first year. Donc c'est sa première année. Of Cyrus. De Cyrus. King of the north. En tant que roi du nord. So you can see. Donc vous pouvez voir. That Darius's first year. Que la première année de Darius, de Cyrus. Here, Cyrus. 121. Donc dans 121. It's also his third year. Donc c'est aussi sa troisième année. Here. Ici. So there's no contradictions in the Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. His third year and his first year are the same year. Donc sa troisième année et sa première année sont la même. So I cleared that up. We're in Daniel chapter 8. Nous sommes dans Daniel chapitre 8. They're having this conversation. Il y a cette conversation. Jesus and Gabriel. Jésus et Gabriel. Verse 13 and 14. Versets 13 et 14. The question is. La question c'est. How long? Combien de temps? Is paganism? Le paganisme. And papalism? Et le papisme. Going to trample down? Vont piétiner. 2 things. 2 choses. The host. L'armée. God's people. Le peuple de Dieu. And the sanctuary. Et le sanctuaire. So I want us to think about it this way. Donc je vais reformuler de cette façon. You've got the people of God. Vous avez le peuple de Dieu. And you've got the religion of God. Et vous avez la religion de That's Dieu. That's what that sanctuary is typifying. C'est ce que le sanctuaire typifie.
The sanctuary, le sanctuaire, is the place, c'est l'endroit, where the law resides, isn't it? Où la loi réside, n'est-ce pas? The most holy place, dans le lieu très saint. But there were many other books, il y a d'autres livres, books of Moses, le livre de Moïse, and they stored all these books in the sanctuary. Et ils ont mis aussi tous ces livres dans le sanctuaire. So the sanctuary becomes a symbol of the religious doctrines. Donc le sanctuaire devient le symbole de la doctrine religieuse. Of the church. De l'église. And the host become a symbol of the people. Et l'armée devient un symbole du peuple. So the question is how long? Donc la question c'est combien de these temps? These two things are going to be trampled. Ces deux choses vont être piétinées. And the answer? Et la réponse? Actually only half of the answer. Et la moitié de la réponse? Is 2300 days. C'est 2300 jours. Daniel 8:14. Daniel 8:14. Then? Alors? Daniel wants to understand. Daniel veut comprendre. What is going on? Qu'est-ce qui se passe? Because he's not sure. Parce qu'il n'est pas sûr. Now the reason why we need to understand what his question's about. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre cette question. Is based upon this. If you was wondering why I was talking about it. Basé sur ça, si vous vous demandez pourquoi j'en ai parlé. Third year of Jehoiakim. Donc la troisième année de Joachim. Daniel and other people are going to be taken to Babylon. Donc Daniel et d'autres personnes vont être amenés donc à Babylone. Now this time span. Donc cette période de temps. Is 70 years. C'est 70 années. Hey. This is the captivity. C'est la captivité. Of the Jews. Des Juifs. When the Babylonians take them. Lorsque les Babyloniens vont les prendre. I don't think we're going to have time to discuss why it's 70. Donc on n'aura pas le temps de discuter pourquoi c'est 70 But années. It's important for us to know that. Mais c'est important pour nous de savoir. And there's information on the internet that explains that. Il y a des informations sur internet, des présentations qui expliquent cela. So this 70-year captivity. Donc cette année, ces 70 années de captivité. Is important for us to understand. C'est important que nous les comprenions. Daniel. Is here in chapter 8. Ici au chapitre 8. And he's going to have a vision. Il va avoir une vision. And when he sees this vision. Et lorsqu'il voit cette vision. It doesn't talk about Babylon. On nous parle pas de Babylone. It talks about. On nous parle de. Medo-Persia. Medo-Perse. Greece. La Grèce. And then the horn. Et les cornes. And this horn. Cette corne. Is a symbol of. C'est un symbole de. Rome. De Rome. So. He's been expecting. Donc il s'attendait. Because he was promised. Parce que il avait reçu une promesse. The nation was promised. La nation avait reçu une promesse. That they're going to go into captivity. Ils allaient aller en captivité. Into Babylon. À Babylone. For 70 years. Pour 70 années. And what would happen after 70 years? Et qu'est-ce qui allait se passer après les 70 années? They'd be restored. Ils seraient restaurés. Back to their own country. Basé sur, retourner dans leur propre pays. So when they would be restored, donc lorsqu'ils seraient restaurés, the temple that had been decimated, le temple qui avait été détruit, what would happen to that? Qu'est-ce qui lui arriverait? It would be, il serait aussi restored, restauré, or cleansed, ou purifié. So when we talk about the cleansing of the sanctuary, donc lorsque nous parlons de la purification du sanctuaire, Daniel, in his mind, dans son esprit, is thinking about the sanctuary or the temple in Jerusalem. Il pense au sanctuaire dans Jérusalem. That got destroyed by the Babylonians. Que Dieu a détruit par les Babyloniens. And then he's going to be restored. Et qui va être restauré. If you were to read Isaiah chapter 45, 46 and 47, si vous lisez Isaïe 45, 46 et 47. They already know. Ils savaient déjà. Because it's the book of Isaiah. Que c'est le livre d'Ésaïe. Isaiah. Ésaïe. Is written. Est écrit. Can't remember the number. Je ne souviens plus combien de temps. But if you're here in Daniel. Mais si vous êtes là dans Daniel. It's something like 70 to 100 years before. It's a long time. Un siècle auparavant. Maybe 50 to 100 years. I can't remember the number. I'll find out. Je ne me souviens plus exactement du nombre. So they all have the access to that book. Donc ils avaient accès à ce livre. And it tells you. Et ce livre vous dit. That Cyrus. Que Cyrus. Is going to free the people. Va libérer le peuple. From the Babylonian captivity. De la captivité babylonienne. And we've already spoken about that, haven't we? Et nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Who was he prefiguring when he did that? Et qu'est-ce qu'il préfigure lorsqu'il fait ça? When Cyrus, lorsque Cyrus freed God's people, took them out of Babylon and bring them into the glorious land. Les libère de Babylone et les emmène dans le pays glorieux. What was that prefiguring? Qu'est-ce que ça préfigure? Here?
Remember? Souvenez-vous. This was Babylon. C'était Babylone. And in 1798, en 1798, the Pope is going to receive a deadly wound. La papauté va recevoir une blessure. Who does that? Et qui fait ça? Cyrus. Cyrus. Which is who? Qui est qui? France. La France. Then, et alors, we read that in Revelation 12. Nous l'avons lu dans Apocalypse 12. The earth helps the woman. La terre a aidé la femme. And who is that? Et qui est ça? Cyrus. C'est Cyrus. The United States. Les États-Unis. That lets God's people go to. Qui laisse le peuple de Dieu aller. The glorious land. Le pays glorieux. From Babylon to the glorious land. De Babylone au pays glorieux. Europe to. D'Europe à. United States. Aux États-Unis. We want to get familiar with these recurring patterns. That's why I bring them up over and over again. Être familier avec ces schémas parce que c'est pour ça que je les ramène encore et encore. So Daniel knows. Donc Daniel sait. He's here. Il est là. That when Cyrus comes. Que lorsque Cyrus vient. What's he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? He's going to liberate the people. Il va libérer le peuple. When Daniel chapter 8 is written. Lorsque Daniel 8 est écrit. The Medes and the Persians. Les Mèdes et les Perses. Are already sont déjà beginning to assert their authority. En train d'asseoir leur autorité. They're already making threats. Ils sont en train de faire une menace against Babylon. Contre Babylone. But people can't believe that Babylon's going to fall. Mais les gens n'arrivent pas à croire que Babylone va tomber. But Daniel knows it will. Mais Daniel sait que cela va se passer. But there's a problem. Mais il y a un problème. Because he's going to get this vision. Il va avoir cette vision. Speaks about the Medes and the Persians. Qui parle des Médo-Perses. The sheep. Le bélier. And then, et alors, it says there's a goat. Il dit il y a un bouc. Which is whom? Qui est qui? Greece. La Grèce. And then there's a horn. Et après il y a encore une corne. Which is Rome. Qui est quoi? Rome. And it says after all of that. Et après tout cela. Then the sanctuary. Et après le sanctuaire. Is going to be restored. Va être restauré. And then he's told. Et on lui dit. It's 2,300 days. Qu'il faudra 2,300 soirs et matins. And he knows. Et il sait. Something's gone wrong. Que quelque chose ne fonctionne pas. So he doesn't understand. Il ne comprend pas. How this could be. Comment c'est possible. Because God promised him. Parce que Dieu lui a promis. The Jews. Aux Juifs. That they would be restored. Qu'ils seraient restaurés. At the end of 70 years. À la fin de 70 and années. Who gave that prophecy? Who gave that prophecy? Qui a donné cette prophétie? Jeremiah. Jérémie. And so he's confused. Donc il est dans la confusion. So if you go to Daniel chapter 9. Donc si vous allez dans Daniel chapitre 9. What do you think Daniel's going to be doing? Qu'est-ce que Daniel va faire? He's going to go back and double check. Il va revérifier. The mistake that he's made. L'erreur qu'il a faite. Because Daniel chapter 8. Parce que Daniel chapitre 8. Has all gone wrong. Ne fonctionne pas. So let's read. Donc lisons. Verse 1. Verset 1. Just the beginning part. La première année de Darius. So it's the first year of Darius. C'est la première année de Darius. What's gone wrong straight away? Qu'est-ce qui va mal déjà? Cyrus hasn't been made king. Donc Cyrus n'a pas été fait roi. So that's caused big problems. Donc c'est un problème. Verse 2. Verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. So he knows it's 70 years. Donc il sait que c'est 70 années. So what's he going to start doing? Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Counting. Compter. Double checking. Vérifier. And then he works out. Et après? What year is he at? Il est à quelle année? In Daniel 9. Dans Daniel 9. His year at number 60. Il est à l'année 60. 8. 68. 70 take away 2. 70 moins 2. And he says, oh. Et il dit, oh, 2 years. Il reste 2 années. But there's a problem. Mais il y a un problème. Because the vision before, la vision auparavant, says the sanctuary is not going to be restored. Le sanctuaire ne sera pas restauré. For thousands of years. Avant des milliers d'années. There are nations. Il y a des nations. He's never even heard of. Qu'il n'a jamais entendu parler. Why does Gabriel say it's Greece? Pourquoi Gabriel lui dit que c'est la Grèce? 8:21. Au verset 21. Because Daniel, parce que Daniel has already heard of Greece. A déjà entendu parler de la Grèce. He already knows that they exist. Il sait déjà qu'ils existent. But he's never heard of this other power, this horn power. Mais il n'a jamais entendu parler de cette corne. So if Gabriel said Rome, donc si Gabriel lui avait dit Rome, it would not have made any sense to him. Ça n'aurait aucun sens pour lui. So that's why the name isn't given. C'est pour ça que le nom n'est pas donné. But he does know. Mais il sait. The Medes and Persians have to finish. Qu'il faut que les Médo-Perses se terminent. Then the Greeks. Après les Grecs. Then the Romans. Après les Romains. Before the restoration avant happens. Avant la restauration se passe.
And this is why in Daniel chapter 9, et c'est pour ça que dans Daniel chapitre 9, he's going to start praying, il va prier and ask for forgiveness, et demander pardon, because he thinks something has gone wrong. Parce qu'il dit qu'il pense que quelque chose ne fonctionne pas. What's Daniel's problem? Quel est le problème de Daniel? What mistake has he made? Quelle est l'erreur qu'il fait? He made the mistake, il fait l'erreur of thinking, de penser in a literal mind, avec un esprit littéral. He's confused the literal, il confond le littéral, with the symbolic, avec le symbolique. And this is the problem with God's people. Et c'est le problème avec le peuple de Dieu. We keep on mixing the two. On n'arrête pas de mélanger les deux. And if you do that, et si vous faites cela, you're going to have a lot of problems. Vous aurez beaucoup de problèmes. And read 8:27. 8:27. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. You make a mistake like that, si vous faites une erreur comme cela, what you're not going to understand, ce que vous n'allez pas comprendre, the vision, vous n'allez pas comprendre la vision. You can't make mistakes about mixing literal and symbolic. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs en mélangeant le littéral et le symbolique. Eventually, et à la fin, by the time you get to the last chapter, lorsque vous arrivez au dernier chapitre, Daniel's understood everything. Daniel a tout compris. He works it out. Il a tout compris. Let me show you that. Laissez-moi vous montrer cela. I said the last chapter. J'ai dit le dernier chapitre. What chapter are we in? C'est quel chapitre? 12. Chapter 10. Chapitre 10. Thank you, brother Eric. Merci, frère Eric. So we read verse 1. Le verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. That was a trick question. Donc c'était une question piège. Because Daniel chapter 12 is after Daniel chapter 10. Parce que Daniel chapitre 12 est après Daniel chapitre 10. Except mais for the first part of the chapter. À l'exception de la première partie du chapitre. Because in chapter 12, parce que dans le chapitre 12, Daniel will tell you he doesn't understand. Daniel nous dit qu'il ne comprend pas. But in chapter 10, in the verse 1, it says he does understand. Mais dans le chapitre 10, au verset 1, il nous dit qu'il comprend. So I want to say. Donc j'aimerais dire. The thing he understands in chapter 10. La chose qu'il comprend au chapitre 10. Is the thing he didn't understand in chapter 8. C'est la chose qu'il n'a pas compris au chapitre 8. Because now he understands the difference between literal and symbolic. Maintenant il comprend la différence entre le littéral et le symbolique. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons voir cela. We're going to close. On va terminer. But I just want to give you one more. Mais je voudrais vous donner une seule. Who's read chapter 5? No, chapter 6. Qui a déjà lu le chapitre 6? If you've got children, you've read it. Si vous avez des enfants, vous l'avez déjà lu. If you've been to church long enough, you've read it. Si vous avez été à l'église suffisamment longtemps, this vous l'avez Daniel lu. This is Daniel in the lion's den. Parce que c'est Daniel dans la fosse aux lions. Yeah? Agree with that? Daniel in the lion's den. Daniel dans la fosse aux lions. And now they're going to threaten him. Et maintenant ils vont le menacer. If you're going to pray, si tu pries, you're going to be killed. Tu vas être tué. If you were Daniel, si vous êtes Daniel, wouldn't it just be sensible to shut the window and do it privately in the toilet? Est-ce que ça aurait été pas facile de donc fermer la fenêtre et de prier donc dans les toilettes ou à l'abri? Wouldn't it have been? Est-ce que ça aurait pas été plus simple? Why are you making trouble for yourself? Pourquoi vous apportez du trouble pour vous-même? The reason he's doing this, la raison pour laquelle il fait cela, because the prayer, parce que la prière, that he needs to offer, qu'il doit offrir, is the most important prayer of his life. C'est la prière la plus importante de sa vie. And Satan knows this. Et Satan le sait. So Satan does not want Daniel to pray. Donc Satan ne veut pas que Daniel prie. Can we see the connection? Vous pouvez voir la connexion. What's the most important prayer that Daniel needs to pray? Quelle est la plus importante prière que Daniel a besoin d'offrir? It's found in Daniel. C'est trouvé dans Daniel. Chapter 9. Chapitre 9. In the first half of the chapter. La première partie du chapitre. So this prayer, donc cette prière, that causes him to be thrown into the lion's den, qui l'a provoqué qu'il soit poussé dans la fosse aux lions. In chapter 6. Dans chapitre 6. Is the prayer of chapter 9. C'est la prière de chapitre 9. Does that make sense? Ça a du sens? So let me ask you a question then. Donc laissez-moi vous poser une question. Chapter 3, chapter 8. Le chapitre 8. Is the third year of Belshazzar. C'est la troisième année de Belshazzar. We'll put a number 8 here. On va mettre le nombre 8 ici. Then we've got the first year. Après on a la première année. Of Darius. De Darius. What chapter is that? C'est quel chapitre? Chapter 9. Chapitre 9. Where does chapter 6 go? Et où est-ce que le chapitre 6 se trouve? Where would you place chapter 6? Où est-ce que vous mettrez le chapitre 6? They're the same chapter. Ce sont le même chapitre.
The prayer in chapter 6. La prière au chapitre 6. That he has to open his window for. Il doit ouvrir sa fenêtre. Because he has to look to Jerusalem to pray. Il doit ouvrir prier en direction de Jérusalem. Is the prayer. C'est la prière. That he's going to make. Qu'il va faire. In Daniel chapter 9. Dans le chapitre 9. This prayer of repentance. Prière de repentance. And it's connected to. Et elle est en relation à his lack of understanding of chapter 8. Sa mauvaise compréhension du chapitre 8. Because he doesn't understand the 2300 day prophecy. Il ne comprend pas la prophétie des 2300. Is the 2300 day prophecy? Est-ce que la prophétie des 2300 connected to the 70 year prophecy? Est en relation avec la prophétie des 70 semaines? It has to be. Oui. Doesn't it? N'est-ce pas? Because the 2300 days, parce que les 2300, is the restoration of the sanctuary. C'est la restauration du sanctuaire. The 70-year captivity, et les 70 années de captivité, is dealing with the, nous parle de, restoration, une restauration, of the temple, du temple. Sorry, not I said restoration of the captivity, restoration of the sanctuary. Restauration du sanctuaire. 2300 days. 2300 soir et matin. Restoration of the temple. Restauration du temple. 70 years. 70 années. So they're both dealing with the same subject matter. Donc c'est le même sujet. So you know that the 70 years and 2300 days are connected. Donc les 70 années et les 2300 soirs et matins sont connectés. What I want us to see. Ce que j'aimerais que vous voyez. We're reading our Bibles incorrectly. Nous lisons nos Bibles de façon incorrecte. We just read chapter 1, 2, 3, 4. On lit chapitre 1, 2, 3. We turn them into children's stories. Et on les tourne comme des histoires pour enfants. We're reading, but we're not studying. Nous lisons, mais nous n'étudions pas. All the information that I'm sharing with you. Toutes les informations que je partage avec vous. Can all be found in the spirit of prophecy. Dans l'esprit de prophétie. But you have to do a lot of reading. Mais vous devez lire beaucoup. And you have to do a lot of digging. Creuser beaucoup. And you have to make a lot of connections. Et faire beaucoup de connexions. And when you do that. Et lorsque vous faites cela. You can see. Vous pouvez voir. The chapter 6 comes after chapter 8. Le chapitre 6 vient après le chapitre 8. And chapter 6 is the same chapter as chapter 9. Le chapitre 6 est le même chapitre que chapitre 9. And the reason why Daniel is prepared to risk his life. Et la raison pour laquelle Daniel va risquer sa vie. Is because he needs to repent. Parce qu'il doit se repentir. Because he thinks. Parce qu'il pense. God is not going to do what he promised. Parce que Dieu ne va pas faire ce qu'il a promis. And we should take that attitude. Et nous devrions avoir cette attitude. The Adventists, les Adventistes, sit back, s'assoient, do what they want, ils font ce qu'ils veulent. We're waiting for the Sunday law to happen. On attend la loi du dimanche. And it won't happen. Et elle n'arrivera pas. Unless we pray. Jusqu'à ce que nous, si nous ne prions pas. And what is the prayer that we're supposed to pray? Et quelle est la prière que nous devons offrir? We're supposed to repent. Nous repentir. Tell me. Dites-moi. What sin did Daniel ever do that you ever know about? Quel est le péché que Daniel a fait? None. Aucun. From the beginning of his life. Du début de sa vie. In Daniel chapter 1 verse 1. De Daniel 1 à 1. To the end of his life. Jusqu'à la fin de sa vie. Daniel chapter 1 verse 21, not one sin. Daniel 1 verse 21, il n'a pas fait un seul péché. So why is he repenting? Pourquoi il se repent? Because he's symbolizing. Parce qu'il symbolise. The state of the church. L'état de l'église. Which is in what condition? Qui est en quelle condition? A Laodicean condition. Laodicéenne. And it's the prayer. Et la prière. That every one of us needs to make. La prière que tout le monde ici devrait faire. To get us out of that condition. Pour sortir de cette condition. To the condition. À la condition. Of the glorious church. De l'église glorieuse. From the condition of Vashti. La condition de Vashti. To the condition of. À la condition de. Esther. Esther. Let's pray. Prions. Our heavenly Father. We want to thank you and praise you. Nous voulons te remercier et te louer. For all your goodness and mercy. Pour ta bonté et ta miséricorde. As we see. Alors que nous voyons. The great work that you want to do for us. Le grand travail que tu veux faire pour nous. May we open our windows. Permet que nous puissions ouvrir notre fenêtre. And pray. Et prier. With our Bibles in front of us. Avec la Bible en face de nous. For forgiveness. Pour le pardon. For the sin that we are committing as a people. Pour les péchés que nous commettons en tant que peuple. As we try to connect, alors que nous essayons de mettre en relation these Old Testament stories, ces histoires de l'Ancien Testament, in the book of Daniel and Revelation, de Daniel et l'Apocalypse, we ask for wisdom and strength. Nous te demandons la sagesse et la force, in Jesus' name, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.